Salut à tous et salut à toutes, c'est VisiGaming. Aujourd'hui on va se retrouver sur Xenoblade Chronicles X. Et je vais aller parler à Walter dans le hangar pour trouver mon scale. Donc je le ferai en vidéo, je ferai juste cette vidéo, juste ça je veux dire. Pour le fait que j'ai mon scale. On ira le tester sur le terrain. Et ce sera la dernière vidéo de ma chaîne sur Xenoblade. Peut-être je ferai un vidéo test, pas encore sûr, mais pourquoi pas. Le commandant madame, comme vous dites que vous aiderez de vous passer le permis scale. Vous avez bien réussi les 8 épreuves. Donc j'ai fait 8 épreuves pour passer mon permis. Donc franchement, il y a des épreuves que j'ai vraiment pesté pendant énormément de temps dessus. Les épreuves où il faut les ramasser des choses sur les terrains, je trouvais que c'était assez mal fait, c'était vraiment chiant à ramasser. C'était pas super bien expliqué où on devait ramasser les trucs. Vous êtes prêt pour l'épreuve finale, pas besoin de stresser, c'est simplement une épreuve orale. Dire que vous pouvez prendre le rôle de chaque division de Blade, car c'est une visitage de la part de Vandal. Maintenant que vous avez le petit aperçu de chaque caisse, j'espère que vous avez le potentiel des scales. Mais il n'y a pas que ça, nos pensées de scales pour tout le monde. Il y a parfois des situations où des éléments agir, semblent et coopérer. Voilà, on a notre permis scale, dira Walter, merci à Walter pour son aide, demande si toute votre équipe va recevoir un scale. On peut dire que vous avez un sacré culot. Le commandant Vandam a personnellement acheté ce scale. A donné le permis scale à quelqu'un qui sait même pas reconnaître la générosité des autres. Repassez le test. Ah! Une centaine d'heures de cours théoriques. Bon, si vous avez compris la leçon, allez faire un tour avec vos scales de commande, Vandam. Et moi, attendons le voir. Allez! Voilà, on va avoir une bête. J'espère qu'on va avoir un scale, un bon petit scale. Ouais, je me demande pourquoi il y avait un temps de chargement si gros. Voilà mon scale. Putain, c'est un putain de gros scale quoi que j'ai eu. Mission terminée. Bienvenue au club de pilotage. Avant de pouvoir piloter, tu dois assigner à ton scale une fois. Ok. Exploration de discussion terminée. Donc j'ai corps du carburant, je suis au fond. Mon scale c'est celui-là. Ben non, regarde, je suis au sol. Non? C'est moi là au sol pourtant. Bon lolo, la classe. Donc là je dois faire quoi? Pour commencer une mission principale, et ben je vais faire une mission annexe moi. Je vais regarder pas mon sociogramme, mais je vais regarder
là-dedans. Je vais regarder une mission qui est déjà en cours, où tu peux tuer quelqu'un peut-être. On va essayer de faire celle-là pour voir. Donc je vais me téléporter directement après mon dio. Ah là 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 là. Alors je sais pas s'il y a déjà des armes ou si on peut encore l'équiper maintenant ou... Je vais voir ça. Je pense que ça va changer tout mon gameplay que j'avais déjà fait depuis le début. Oh là là, que c'est classe. Mais mon perso est pas dedans. Ah non, c'est pas mon perso, ça c'est un autre, c'est là où. Donc cible. Ok. Mode croisière. Descendre du scale Y. C'est bizarre, je peux pas sortir d'armes, donc je pense que je dois pas avoir un niveau. On va essayer de combattre un ennemi à peu près de mon niveau, c'est-à-dire 25, 26. Oh là là. Eh, il va se rouler autour, hein. Beau gosse. On va essayer de poser une mine en même temps. Bien, j'ai déjà posé. Non. Bon, on va se battre contre lui, hein. Ah merde, j'ai pas d'armes du tout. Ouais, j'ai pas de... J'ai rien dessus, en fait. Moi je vais descendre, je vais essayer de le tuer à la main et après je réglerai mon scan. Voilà. Hop, m'a fait énormément de dégâts. Même si j'ai pas l'aggro, tant pis, je fais ça. Bah voilà, c'est bon. Remontons dans la bête. Alors j'ai quoi? Équipé. Statut, équipement terrain, équipement de scale. Ouais, de toute façon, je peux plus mettre que ça. Là, c'est pareil. Là, j'ai rien. Épée laser, putain, épée laser quand même dès le début. J'ai pas beaucoup d'art, c'est normal. Il y a un équipé, il faut peut-être s'équiper, acheter des choses. Je vais regarder si dans art il y a quelque chose à modifier. Art. Busy. Non, c'est là-dedans qu'on doit modifier l'art d'escale. Et sous-menu, équipement optimal. De toute façon, c'est le même que normal. T'as quand même bien classe mon scan. Hein. Et c'est que le premier.
Bon, pourquoi... Je sais pas pourquoi je peux pas mettre d'autres techniques. Équipement... Ah, c'est pour les persos, c'est pas pour mon scale. Compétences. Ah, c'est peut-être des techniques à acheter, hein. Putain, maintenant je pourrais rouler, voler. Voler, peut-être pas tout, pour tout de suite, chic, on pourra voler. Moi, j'aimerais essayer mon arme. Enfin, mes armes. Je vais mettre fin à la vidéo juste après. 60, c'est un peu peut-être très très haut pour moi. Ah, par contre, saute vachement plus haut qu'avant. L'exploration va être tellement plus facile. Puis carburant, ça va, j'ai l'impression, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup moins... Que ça allait être dépensé beaucoup plus vite, mais non, ça va. Bon, là, je me balade à l'arrache, hein. Je veux juste me combattre une seule fois. Contre un ennemi de ma trempe à peu près. Je me demande. Ouais, je pense que après mes autres persos vont avoir aussi des scales. Hein. C'est logique. Point de vie découverte alors que je suis venu 50 000 fois ici. Ah zut! Ouais, bah c'est bien. Voilà. Eh, eh, eh! Oh lolo! Oh le péon! Oh non, c'est bon. Voilà. On va profiter pour faire ça aussi. Bon, je vais regarder sur peut-être une autre île, on va dire aller là. Je sais qu'il y a des monstres un peu plus haut level. Voici de retour sur Xenoblade Chronicles X. Bon, pour tout vous dire, j'ai été sur la plaine avec mon scale, juste après l'obtention du scale, et je me suis fait démonter. Mon perso, il n'y avait pas de technique en fait. J'ai dû équiper le scale parce qu'il n'était pas équipé. Donc bah, mon scale est un peu modifié, il y a des missiles sur les côtés, maintenant j'ai des sabres laser à combattre. Là c'est le mode course, en moto, assez classe même je trouve. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se battre contre un monstre, allez on va prendre le level 22. En moins je pourrais un peu voir comment ça se passe et vous expliquer ce que je peux faire en même temps. Donc on y va, en espérant que ça va aller. Et que je sèche contrôler mon scale. Hein. Donc, elle me demande de taper avec le sabre. Donc, je vais faire ça tout de suite. Immobile. Bien joué. Maintenant, elle me demande de taper. Mais je peux plus taper. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être prendre l'aggro. Et là, je vais pouvoir taper. Non, maintenant, elle me demande de faire ça et de taper. Vu qu'elle me demande de taper, je vais retaper une deuxième fois tout de suite. Voilà. Leave it to me. Alors pour l'instant je sais pas, enfin, j'ai pas l'impression que je fais énormément de dégâts à ce monstre. Je vais sûrement le diriger très très mal mon scale. Oh là là, il m'a contré ou je sais pas ce qu'il a fait.
Hop. Mais non, mais moi je veux changer de cible là. C'est elle qu'il faut attaquer, mes amis. Allez, j'essaie de rentrer. Hop. En tout cas, je prends bien l'aggro de mes du monstre. Ça, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. Il y a l'air parce que mes coéquipiers prennent pas de dégâts. Donc c'est déjà ça. Mon scale n'a pas pris de dégâts non plus. J'ai encore beaucoup de carburant. Voilà. Donc on a eu quoi? Bon, des trucs pas très intéressants, je me doutais. Des ou quoi, je regarderai ça plus tard. Bah voilà ce qu'on a fait, voilà, on a vu la découverte du Skell la première fois que je l'ai eu et le premier vrai combat que j'ai su faire. Donc bah c'était VisiGaming cette fois-ci sur Xenoblade Chronicle X, l'obtention de mon Skell. Vous pouvez toujours partager mes vidéos, les commenter, les liker, ça me fait vraiment vraiment plaisir. Sur ce, je vous dis à l'année prochaine. Je referai des vidéos en 2016 parce que vous verrez celle-là et juste avant celle de Mario que je viens juste de tourner aussi. Je vous souhaite surtout de passer de très bonnes années, de fêtes de fin d'année. Si vous buvez un verre ou quoi, ne sortez pas surtout, hein, restez chez la personne où vous êtes, ne prenez pas le volant. Ce serait bête de vous planter avant la nouvelle année. Sur ce, je vais vous dire à l'année prochaine, comme je vous ai dit, et surtout, amusez-vous bien sur tous vos jeux en cours.